Demain à 18h30, le FC Barcelone accueille Getafe pour le compte de la 18e journée de Liga. Son entraîneur, Xavi, s'est exprimé ce samedi en conférence de presse et a notamment répondu à des questions sur le départ de Memphis Depay à l'Atlético Madrid ou à l'incarcération de Daniel Alves. Le départ de Memphis Depay. Memphis a demandé à partir après avoir eu la proposition de l'Atlético. Je n'étais pas à l'aise avec sa situation dans l'équipe. Tout le monde sort gagnant avec son départ et notre sort est désormais entre les mains de la Liga et du fair play pour pouvoir recruter. Être patient contre Getafe, il faudra faire preuve de patience contre Getafe. C'est un match piège mais entre notre forme du moment et la confiance, on peut espérer gagner. L'incarcération de Dani Alves, je suis touché, sous le choc, car je connais Dani Alves. C'est un sujet difficile. La justice dira ce qui doit être fait. Mais je suis très surpris, je me sens très mal pour lui. Arojo et De Jong incertains, Arojo et De Jong sont disponibles, oui, mais il faut prendre en compte qu'ils reviennent de blessures. Demain, nous prendrons une décision. Mais à partir de maintenant, chaque match est une bataille. Le phénomène Gavi est l'un des joueurs qui, rapporté à son âge, a vu le plus de vidéos. Il a mouru en très peu de temps, il sait qu'en faire faux. Il est chaque jour plus fort, avec le cœur et le courage qu'il met à l'ouvrage. Si ses résultats sportifs sont parfois remis en question, Xavi Hernandez pourrait être remplacé par Thomas Tuchel sur le banc du FC Barcelone. Sous les ordres de Xavi Hernandez, le FC Barcelone s'est lancé dans un nouveau projet de grande envergure afin de retrouver sa gloire d'antan. Pour autant, présent depuis plus d'un an à la tête de l'écurie catalane, le technicien espagnol de 42 ans peine à briller, notamment sur la scène européenne où une nouvelle élimination précoce en Ligue des Champions a été enregistrée cette année. Des contre-performances qui pourraient le mettre en porte-à-faux, bien plus tôt que prévu. Selon les informations publiées par Florian Plettenberg via Sky Sport, Thomas Tuchel aurait pour projet de prendre la tête du FC Barcelone. Le technicien allemand a de l'ambition et semble déjà prêt à succéder à Xavi Hernandez en cas de licenciement soudain. Un intérêt qui devrait bien attiser la curiosité des dirigeants Blaugrana, dont certains seraient d'ores et déjà prêts à débuter une nouvelle histoire avec un technicien d'une plus grande expérience.